197 sujets de conversation pour parler avec votre partenaire natif en anglais. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste en description ici pour savoir eh bien, comment bien démarrer ou redémarrer en anglais, en espagnol ou dans une autre langue pour pouvoir eh bien, tout simplement parler la langue que vous souhaitez. Parce que si aujourd'hui vous en avez marre que ça fait genre 17 fois que vous expliquez que je m'appelle machin, j'ai tel âge, je suis fan de course à pied, j'habite à 20 minutes de la frontière et que ça vous saoule de répéter ça et que là vous avez l'impression de tourner en rond avec votre partenaire natif que eh bien vous avez envie de progresser parce que vous savez qu'aujourd'hui vous avez besoin de pratiquer l'oral un maximum, de pratiquer pour pouvoir évoluer. Ça y est, votre oral est débloqué, vous avez passé ce stade et déjà bravo pour ça. Mais aujourd'hui, du coup, vous avez besoin d'avoir des sujets de conversation bah, pour que ces échanges soient fun et qu'ils vous fassent progresser. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est même pas 197 sujets, c'est même beaucoup plus, vous allez le voir. Et le truc, c'est que je vais pas vous donner une liste comme ça de sujets. Pourquoi ? Parce que si je vous donne une liste informelle, ça va être mes sujets, ça va être un peu chiant pour vous. L'idée, c'est que je vais vous aider à la pimper, à l'adapter à vous, à vos centres d'intérêt. Et une fois que vous l'avez, après vous êtes tranquille, vous avez 6 mois, voire... beaucoup plus. Vous avez plus de 6 mois de sujets, de conversation pour échanger avec votre natif. Et je peux vous dire que une fois que vous aurez pratiqué tout ça... Votre anglais, il sera au top. Vous pourrez parler avec fluidité avec qui vous voulez. Donc maintenant, la liste de ces sujets, c'est quoi ? Vous allez prendre une feuille et un stylo. Je vous invite à mettre pause tout de suite sur la vidéo, prendre cette feuille et commencer à noter tout de suite. Comme ça, vous le faites en live. Dans 10 minutes, votre exercice est fait. Vous allez déjà commencer par faire la liste des sujets qui vous énervent. Vous en prenez 10. Tant que vous n'avez pas les 10, vous ne passez pas à l'étape précédente. Par exemple, je vous donne mon exemple. Les gens qui sont en retard, je déteste ça. Les gens qui prennent 20 minutes aux toilettes, je sais pas pourquoi ça me saoule. L'inefficacité, quand j'arrive pas à faire quelque chose, voilà. Bref, ça c'est mon truc. Le gingembre aussi j'avais écrit. Ça c'est mes trucs, je vous invite à le personnaliser pour vous et je vous expliquerai comment utiliser tout ça à la fin. Vous allez faire la liste de vos mentors. Bon, évidemment, des mentors en anglais. Ah non, vous pouvez mettre en français aussi. On va voir comment faire après. Vous en notez 10. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au 10, eh bien, je vous invite à aller sur YouTube et faire des petites recherches sur des sujets qui vous intéressent. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir des nouveaux mentors, des personnes que vous aimez. Pour moi, c'est Oprah Winfrey, il y a Liz Brown, il y a Tony Robbins, Vishen Lakhiani, le fondateur de Mind Valley. Vous pouvez le faire en français ou en anglais, c'est-à-dire que c'est des mentors donc qui sont anglophones, donc ça permet en plus d'écouter leurs vidéos en anglais. Mais si vous pouvez choisir des personnes que vous appréciez en français, enfin des francophones ou même d'une autre nationalité qui parle une autre langue, parce que l'idée c'est que vous parliez à propos de cette personne. Donc vous pouvez tout à fait prendre des personnes qui ne sont pas forcément anglophones. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez noter les 10 personnes que vous allez découvrir. Alors je m'explique, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, vous êtes fan de cuisine, la pâtisserie vous intéresse, ou voilà. Et il y a quelques personnes que vous aimez, très bien, ça peut être vos mentors ou ça peut être juste des personnes que vous aimez. Et on va creuser le sujet, c'est-à-dire que vous allez écrire, pareil dans Google, YouTube, ben voilà, les grands noms de la cuisine. Et vous allez avoir une liste de personnes que vous pouvez noter. Si vous êtes fan de sport outdoor comme moi, c'est ben, vous recherchez sur Google, je sais pas, le plus grand surfeur, le plus grand alpiniste, etc. Qui est le premier alpiniste, qui est la première femme à avoir gravi une montagne. Parce que j'aime la montagne, voilà, c'est des choses, non seulement ça élargit en plus vos connaissances personnelles, et ça va vous permettre de parler autour de ces sujets. Ensuite, autre sujet, on va prendre l'actualité. Vous allez écrire pareil, 10 sujets d'actualité, donc vous pouvez prendre l'actualité de cette semaine, de la semaine dernière, de l'année dernière, ou même l'actualité de l'année prochaine. Vous pouvez imaginer
quelle sera l'actualité, en plus on fait fonctionner la créativité, de l'année prochaine. Ensuite, vous allez faire la liste des choses qui vous font peur. De la même manière, 10 choses, les araignées, avoir peur d'être en retard, avoir peur de ne pas avoir assez de temps, avoir peur d'avoir des regrets en fin de vie, je ne sais pas, vous pouvez lister pour vous. Ensuite, vous allez faire la liste de vos 10 rêves et envies. Par exemple, pour moi, ça de vivre une expérience avec le corps, l'esprit chaque mois. Chanter, jouer de la guitare dans un groupe, ça c'est mon truc secret. Voilà, ça l'est plus. Créer mon big dream, c'est créer une ONG pour permettre l'accès à l'éducation aux femmes qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas les moyens de s'éduquer. Ça, voilà, c'est mon big truc. On verra si j'y arrive ou pas. Mais voilà, je vais tout faire pour aller en ce sens. Et donc là, on arrive à combien de sujets ? Vous avez 6 x 10, on est à 60 sujets de conversation déjà. Ben, c'est très bien. Vous pouvez déjà choisir un de ces sujets pour parler à propos de ce sujet avec les personnes, avec vos partenaires natifs. Je vous avais dit 190, donc comment on fait ? Donc pour démultiplier ces sujets, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez ces 60 sujets et en phase 2, vous allez faire l'exercice de la triade. C'est-à-dire que pour chaque sujet, vous allez mettre comment, pourquoi, mon avis sur. Je vous donne un exemple. Ça va permettre d'alimenter des conversations. On va reprendre l'exemple avec comment faire pour ne pas être en retard. Vous savez, c'était ceux qui m'énervaient. Ceux qui sont en retard, comment faire pour ne pas être en retard? Comment faire pour être efficace? Comment, par exemple, avec les mentors, c'est peut-être un peu moins évident, comment Oprah Winfrey est devenue Oprah? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Voilà. Pourquoi j'aime les sports outdoor? Mon avis sur Tony Robbins. En fait, vous faites un mix du comment, pourquoi, avis avec tous vos autres sujets. Et là, ça vous donne combien? Si je me plante pas dans les calculs, vous savez que c'est pas ma zone de génie. Ça vous donne 180 sujets déjà. Et on va aller encore plus loin, parce que je vous avais dit qu'on allait dépasser les 197, c'est que vous pouvez également faire 2 colonnes. C'est-à-dire que, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, quand vous faites la liste des 10 à plusieurs reprises, c'est que vous allez les ranger A, B, C, D, voilà, vous mettez ou des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et vous allez mixer les sujets entre eux. C'est-à-dire que vous allez dire, bon, bah ok, pour la première conversation avec mon natif qui a lieu dans 2 jours, je décide de prendre le numéro 2. Et en face du numéro 2, vous allez relire le numéro 2 de chaque catégorie. Donc par exemple, moi j'ai quoi? Au numéro 2, j'avais les gens qui prennent 20 minutes aux toilettes, Liz Brown, les sports outdoor, la semaine dernière. Alors maintenant, ce qu'on peut faire avec ça, on mélange tout ça et on essaie de raconter une histoire avec ces 4 choses. Ou alors vous en choisissez que 2 ou 3, voilà, c'est à vous de mettre la difficulté que vous voulez. L'avantage de ça en fait, c'est que c'est un défi, c'est drôle, c'est ludique. Ça vous permet de raconter une histoire avec des sujets différents. Et en plus, surtout, ce qui nous intéresse, c'est que vu que c'est drôle, ça va créer de l'émotionnel. Et l'émotionnel, pourquoi on en veut? Parce que ça crée une encre là dans votre cerveau. Dans votre mémoire, une encre de la mémorisation. Plus c'est drôle, plus il y aura l'émotionnel, mieux vous allez mémoriser la situation. Donc ça, c'est super. Deuxièmement, ça vous passez un bon moment avec votre partenaire de langue. Vous avez envie de recommencer. Et plus vous allez pratiquer, plus vous aurez des résultats. Autre avantage, c'est que ça vous pousse à réfléchir différemment. Et ça crée de nouveaux canaux neuronaux dans votre cerveau. Ça crée une meilleure plasticité de votre cerveau. Et ça vous donne une rapidité d'apprentissage. Bien plus élevé. Et ça, c'est vraiment ça vous donne un nombre infini de sujets, en fait. On est vraiment vous avez beaucoup plus que 197, mais voilà, j'avais envie de mettre ce chiffre, j'ai mis 197, j'aime ce chiffre. Et j'ai pas terminé. Parce qu'on peut aller encore plus loin. Ce que je vous invite à faire, c'est aussi de faire la liste. Alors là, vous avez plein de listes, hein, si vous aimez les listes. D'ailleurs, tac, vous venez de voir ma grosse tête en zoom. Si vous aimez faire des listes, c'était le truc imprévu, c'est que là j'ai un petit calepin, ça s'appelle, comment ça s'appelle, Why Note, voilà, c'est avec un zèbre dessus, et bien vous prenez prendre des notes avec un, il est où mon stylo, c'est pas grave, ça s'efface en fait, c'est comme une ardoise, vous pouvez écrire et effacer, donc ça c'est génial, ça permet de pas mettre 50 000 feuilles à la poubelle. Donc ça, c'est top pour les listes. Bref, vous faites la liste des temps. Donc présent, present perfect, past perfect, tous les temps qu'on adore, vous voyez, vous faites la liste. Et si vous voulez travailler sur un point en particulier, eh bien, vous prenez un sujet et un temps
et vous essayez de mixer les deux. Et là, je peux vous dire que ça va vraiment vous permettre de sortir de votre zone de confort à l'oral. Et c'est ça, encore une fois, qui va vous permettre de progresser. Au niveau du vocabulaire, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai parlé du décalage entre l'écrit et l'oral. Je vous invite à aller voir cette vidéo justement pour savoir comment éviter ce décalage si vous êtes plus à l'aise avec l'expression écrite qu'à l'expression orale. Ah oui, et donc dernière chose, je vous jure, c'est le dernier conseil que j'ai envie de vous donner. C'est même un défi. Vous savez que les défis, c'est vraiment notre pédagogie du marathon des langues. C'est notre... voilà, on adore ça parce qu'on sait que ça vous fait progresser. C'est au niveau du vocabulaire. Vous allez prendre votre calepin de vocabulaire. Vous allez choisir, je sais pas, 4, 5 mots, voire plus si vous voulez relever le défi un peu plus. Et vous allez vous lancer le défi que... lors de votre prochaine conversation avec votre natif, eh bien, vous allez choisir, vous allez caler ces 5 mots, ces 3-5 mots, dans le sujet que vous aurez choisi. Voilà, ça ajoute un petit un peu de peps à votre échange. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous allez le mettre en place. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous, je sais pas, qui vous donne envie, qui vous... moi, ça me permettra de savoir aussi quel genre de vidéo je peux vous faire. Si ces sujets vous plaisent, je vous en ferai plus. Sinon, j'en ferai pas plus. Tout simplement, dites-moi, j'ai besoin de vos feedbacks. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui a besoin de parler plus en anglais. Et moi, je vous dis, eh bien, à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao !